C'est une page qui se tourne. Le chalutier le Bugalet de Braise a commencé à être démantelé dans la base navale de Brest. Ce bateau de pêche, originaire de Loctudie dans le sud Finistère, faisait naufrage il y a plus de 19 ans, le 15 janvier 2004, au large de l'Angleterre. Ce jour-là, les 5 marins pêcheurs à bord trouvent la mort. Tout de suite après le drame, les familles des victimes essayent de comprendre. En 2008, la justice française conclut l'affaire en évoquant un accident de pêche. Les familles, elles, avec l'aide de rapports d'expertise, pensent qu'un sous-marin militaire serait la cause du naufrage. La cour d'appel de Rennes clôture la procédure par un non-lieu en 2014, confirmé en 2016 par la cour de cassation. Alors que tous les recours en justice sont terminés, l'épave va être démantelée en 5 jours. Les morceaux d'acier seront recyclés dans une fonderie française, alors que certaines pièces seront données aux familles, comme la casquette avec le nom Bugaled, la radio ou encore les bouées. Michel Douce, l'armateur, a demandé à récupérer symboliquement l'ancre du bateau.